Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un retour de course un peu particulier, comme d'habitude, fait via l'application ToGood2Go. Donc en fait, là, aujourd'hui, aujourd'hui plutôt hier, parce que je vous tourne ça le dimanche 31 mai, et on a fait ce petit unboxing le 30 mai, donc hier, samedi après-midi. En gros, c'était dans une station-service Total, donc qui se trouve dans le 7e arrondissement de Lyon. Et en gros, on a pris le panier pour 4€ ou 3,99€, je ne sais plus, bon. Dans tous les cas, ça ne change pas grand-chose. Et voilà ce qu'on a eu. Donc, on a eu des produits frais et des produits secs. Voilà. Et on est plutôt satisfait des produits secs, un peu moins des produits frais. Mais voilà. Donc, concrètement, on a eu une pizza Sodebo. Donc, c'est une pizza. Oula, ça m'a plu. Une salade de pâtes Sodebo avec du poulet rôti. Donc, c'est l'équivalent d'un petit peu d'une salade César. Voilà. Elle périme aujourd'hui. Donc, du coup, on avait un jour pour la... Enfin, 2 jours pour la consommer à peu près. En date courte, voilà. Donc le gars, il nous a imposé ce truc-là. Et puis après, il nous a fait choisir un petit peu dans les sandwichs qu'on voulait prendre. Donc en fait, on avait le droit de prendre un sandwich de chaque. Donc il y avait du jambon, il y avait du thon, il y avait du poulet, il y avait d'autres trucs. Donc on a pris thon et poulet. Voilà. Donc il périme également aujourd'hui. Donc il périme le lendemain du jour de la récupération. Et ensuite, on a eu ça. Donc ça, je pense que c'est périmé depuis un bon petit moment. Mais bon, elles sont pas mal, les Madeleines Lester. Il y en a pas mal dans les invendus de station-service, parce qu'ils doivent les vendre cher. Déjà, quand j'ai vu que les salades Sodebo étaient vendues 5,50€ en station-service, et les sandwichs Sodebo 2,50€, bon, on a déjà pour largement plus de 12€ promis par rapport au machin. Et les Madeleine Lester sont également un gros invendu, enfin les produits secs sont un gros invendu de station-service parce qu'elles sont hors de prix. Celles-là, par contre, je ne les ai pas vues dans leur magasin, mais elles étaient affichées à moins de 50% parce que la date est passée. Et donc là, elle périmait le 23 mai. Et je les ai récupérées le 30 mai. Voilà, le 23 mai, les deux. Voilà. Donc on a des petites Marlboro au chocolat et des Madeleines Nature. Voilà. Voilà, voilà pour ce petit unboxing. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!